Et votre relation? Waouh, regardez ça. Alors, l'as de bâton, c'est une relation de feu en fait. C'est une relation dans un tirage sentimental, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de construire quelque chose, ou en tout cas que vous avez une union qui est très fusionnelle, très passionnelle, peut-être même aussi très charnelle. Bonjour les vierges, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, les vierges, je vous mettrai plusieurs liens ici en haut de la vidéo pour vous informer que donc sur Tarot et Intuition, vous pouvez retrouver tous les mois des tirages généraux, donc tirage pour tous les domaines de vie, un tirage sentimental pour votre signe également, et vous avez une playlist dédiée aux vierges. Comme ça, vous pouvez retrouver tous les tirages vierges à partir de cette playlist. Je vous mettrai le lien ici. Sur Tarot et Intuition, vous avez également des méditations au bol tibétain, des tirages intemporels à choix autour de la nouvelle lune. Je vous laisse découvrir tout ça en barre d'infos de Tarot et Intuition ou en haut. Et pour information, vous faites partie des tout premiers signes, les vierges, parce que je me base chaque mois sur, pour l'ordre des tirages, je me base sur les signes qui ont le plus commenté, liké ou regardé les vidéos. Comme ça, moi, ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente et je recommence par ces signes-là. Donc, n'hésitez pas à commenter ou à liker si vous voulez faire partie des premiers signes le mois prochain. Ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot des sirènes que vous connaissez. Hop, c'est celui-ci. Et nous allons utiliser l'oracle de la Louve Blanche, The White Fox Oracle, que je viens de recevoir et que je trouve déjà magnifique. Bon, si je l'avais commandé, hein, c'est que je le trouvais magnifique, mais c'est une création d'une jeune illustratrice, je crois. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc, on va l'utiliser en fin de tirage. Et là, nous allons commencer par le tarot pour votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020, les vierges. C'est parti. Ok. Alors, les vierges. On va tirer ensuite deux cartes pour chacun. Mais déjà, là, c'est votre dynamique, la dynamique de votre autre, que vous soyez en couple ou pas, et la dynamique de votre relation. Donc, vous, là, vous êtes dans une période très propice, les vierges, là. Vous êtes dans une période où les choses vous réussissent. Hein. Là, c'est la félicité, c'est l'accomplissement, c'est le tout, c'est le bonheur, presque le bonheur parfait, on pourrait dire, avec ce 10 de coupe. Hein. C'est vraiment une très belle carte. Souvent, sur cette carte, d'ailleurs, il y a un arc-en-ciel. Donc, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de profusion. C'est une très, très belle carte. En plus des coupes, 10 de coupe, c'est aussi un accomplissement, hein, d'un point de vue émotionnel, a priori. Les couples, donc c'est lié aux émotions, à l'amour. Votre autre en face. Alors vous avez quelqu'un qui est quand même, qui fait preuve de maturité, hein. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut a priori, quelqu'un qui, oui, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui assume ses sentiments. Et bon là, je sais pas, j'ai l'impression que la carte est à l'envers. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il est un peu sur la retenue. Donc voilà, mais il y a quelqu'un qui est mature en face. Et votre relation? Waouh, regardez ça. Alors, l'as de bâton, c'est une relation de feu en fait. Hein. C'est une relation dans un tirage sentimental, ça peut vouloir dire que vous êtes en train de construire quelque chose, ou en tout cas que vous avez une union qui est très fusionnelle, très passionnelle, peut-être même aussi très charnelle, très. Voilà, vous êtes très connecté, vous êtes très. Très en phase, il y a une très forte attirance entre vous deux. Donc on y va, on va compléter avec deux cartes. Oula! Oula, oula! Alors, une carte nous a échappé. La voici. Donc, alors. Eh ben dis donc, vous avez la carte donc de l'accomplissement, etc. Et là, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, le 9 de coupe, c'est la carte du bon génie.
C'est le génie d'Aladin. C'est la carte où on fait un vœu. On vous dit, aujourd'hui, là, a priori, vous avez cette avance parce qu'en fait, les vœux que vous faites se réalisent. Donc allez-y, allez-y, n'hésitez pas, l'univers est généreux, faites le maximum de vœux. Et on voit que, alors vous avez un 10 d'épée inversé. Peut-être que vous avez connu une période difficile, peut-être que vous avez connu une période où vous vous êtes remise en question et de par les souffrances du passé, aujourd'hui vous mesurez davantage la chance qui est la vôtre. Parce qu'à une époque, vous avez été terrassé, à une époque, vous avez été abattu, vous avez été, voilà, ventre à terre, vous avez été, comme le montre cette carte, hein, vous avez, c'est le sol qui s'est dérobé sur vos pieds, c'est, bon. Un terrassement, hein, un petit peu. Donc, aujourd'hui, en tout cas, vous avez vraiment la félicité, l'accomplissement et vos voeux se réalisent. Alors, faites des voeux, utilisez cette vibration, profitez-en pour en demander plus. Ça ne veut pas dire, alors, vous pouvez tout à fait en demander plus. Ça veut dire qu'il faut avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Il ne faut pas en demander plus et ne pas être reconnaissant pour ce qu'on a. Il faut avoir de la gratitude, mais quand vous êtes dans cette bonne vibration, bah, il faut en profiter. Regardez, monsieur, lui, qui est mature, qui sait ce qu'il veut, et il a un as de coupe. Bon, là encore, il est inversé, mais ça veut dire qu'il est mature, il sait ce qu'il veut, il veut une relation. Il veut une relation sérieuse, une relation amoureuse, une relation sentimentale. Oui, c'est ce qu'il veut, il veut une relation sérieuse. Mais la carte est inversée, moi j'ai l'impression quand même qu'il. Oh, waouh! Il ne prend pas de risque à 100%, à 200%. Hein. Il sait ce qu'il veut, mais en même temps, il y a quand même une petite crainte, une petite retenue là. Regardez cette merveilleuse carte. L'as de coupe, ça parle souvent des débuts d'une nouvelle relation, voilà, d'une nouvelle relation amoureuse, d'un nouveau cycle. Donc c'est une très jolie carte dans un tirage sentimental. C'est inversé, donc peut-être qu'il vous dit les choses, peut-être qu'il vous dit ce qu'il. Peut-être qu'il met en avant le fait qu'il veut justement cette relation sérieuse, mais que parfois il est un peu sur la retenue ou il ne fait pas complètement tout ce qu'il faudrait faire. Et regardez, il a aussi ce roi de bâton. Donc il veut cette relation. C'est un homme qui est a priori fiable, sur lequel on peut compter. C'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui est un leader, donc on peut lui faire confiance, on peut se reposer sur lui. Enfin. Voilà, mais c'est bizarre, hein. Ces trois cartes-là sont vraiment très, très bon augure, mais en même temps, il y a comme une retenue, je ne sais pas, vous pouvez peut-être me dire en commentaire, il y a quelque chose qu'il ne fait pas, ou qu'il doit dire des choses, et dans son attitude, il y a quelque chose qu'il ne fait pas complètement. Bon, vous, c'est un très beau tirage hein, quand même, les vierges, hein, votre tirage, là, regardez. Après l'as de bâton, la relation passionnelle fusionnelle, vous avez le 8 de bâton. Les choses sont arrivées vite, ou elles vont arriver vite. Il y a des projets que vous avez peut-être à deux, et là, ça va partir, ça va venir rapidement. Vous allez peut-être avoir aussi des nouvelles par la poste, un courrier, un fax, un message sur les réseaux sociaux, quelque chose. 4 de coupe, des nouvelles suite à quelque chose qui était peut-être endormi ou quelque chose sur lequel enfin, vous n'attendiez plus grand-chose, quelque chose qui semblait être un peu de la routine. Là, en tout cas, va y avoir du changement. Donc, regardez ce 8, ce 8 de bâton. Donc, les nouvelles qui vont venir vite avec ce volcan, hein. Vite des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vous arrivent rapidement et qui concernaient quelque chose que vous n'attendiez plus ou pour laquelle vous n'aviez plus trop d'espérance, on dirait, semble-t-il. Donc, nous allons tirer quatre cartes de l'oracle de la Louve Blanche pour voir justement quoi faire pour être heureuse, les vierges. En octobre 2020. Donc vous allez voir, ça peut peut-être vous donner des idées d'activités à faire à deux, ou si vous êtes célibataire, des idées d'activités à faire seule pour rencontrer l'âme sœur, ou peut-être si vous avez déjà des vues sur quelqu'un, des choses à lui proposer, ou même pour vous-même, pour votre expansion. Donc on y va. Nous allons tirer quatre cartes.
l'oracle de la louve blanche. Hop, alors on vous conseille de vous lier, de vous attacher, de... Alors, je ne sais pas, ça peut être au sens propre, mesdames, comme au sens figuré, avec cette relation de feu là que vous avez. Donc, on vous... Alors, peut-être, on vous conseille de mettre des choses en place pour tisser davantage de liens, pour resserrer les liens. Peut-être, moi ça me fait penser aussi peut-être à une activité familiale. Si vous n'avez pas encore présenté à votre famille, faites-le. Ça peut être, avec ce nœud, pourquoi pas faire une balade en bateau. Ça peut être aussi pour resserrer les liens. Faites quelque chose qui vous rapproche tous les deux. Voilà. Hop, allez, une autre carte. Hop. Écoutez, priori, l'oracle. Ok. Alors, on va. Alors, on peut vous recommander également de pratiquer une activité sportive à deux. Est-ce que vous êtes sportive? Est-ce que monsieur est sportif? Vous pouvez peut-être vous encourager l'un l'autre dans cette pratique. On vous recommande en tout cas d'être en mouvement, dans de l'action. Peut-être que vous pouvez aussi aller faire une randonnée. Peut-être que... je regarde vos cartes. Hein. Oui, peut-être aller faire une balade, peut-être faire une virée, peut-être partir en week-end. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici, alors, je regarde dans le livret parce que comme j'ai l'oracle depuis quelques temps, je ne les connais pas toutes par cœur. Donc, on parle d'étincelle, on parle d'un nouvel intérêt pour quelque chose. Alors, peut-être adonnez-vous à une nouvelle activité ensemble. Hop. Allez, une dernière carte. Une carte. On va prendre celle qui est... Ah ! Je l'ai laissée. Alors, celle-ci, je crois qu'elle ne fait pas partie du jeu. C'est une carte en plus. La carte bonus. Eh bien, écoutez, l'idée qui vous vient à l'esprit maintenant, c'est l'une des choses qu'il faut faire. Donc, je vous remonte ces cartes. C'est vraiment un très très joli jeu, hein, cet oracle de la louve blanche. Si vous aimez collectionner les jeux. Donc, nous avons la carte du lien pour tisser les liens. La carte du mouvement, de l'action, la carte de l'étincelle, ok, et la carte bonus. Je vous laisse voir ce qui vous venait à l'esprit. Donc voilà votre tirage sentimental du mois d'octobre 2020. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça évoque des choses que vous vivez, si ça vous parle, si ça vous est utile. Dites-moi si vous appréciez ce nouvel oracle qui a été utilisé aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent, etc. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Tarot et Intuition. En tout cas, merci de votre fidélité. À très bientôt. On se retrouve ce dimanche pour un tirage pour tous les signes astrologiques. Donc, voilà, en général, le dimanche, j'essaye de faire des tirages qui parleront à tous. Voilà, voilà. Merci les Vierges. Je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.